Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette astuce comment causer en discussion ou en conversation secrète sur Facebook Messenger. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de me dire en commentaire comment vous les trouvez et de les partager. Sans toutefois tarder, nous allons passer au vif du sujet. Voilà, du coup, nous voilà quand vous entrez dans votre conversation. Du coup, vous allez appuyer sur votre icône. Voilà, vous venez là sur votre logo. Vous descendez en bas pour activer les conversations secrètes. Vous allez voir là, vous appuyez conversation secrète. Généralement, elle est souvent désactivée. Après, vous l'activez. Parfois, elle est activée ou bien elle est désactivée. Une fois que vous faites cela, vous rentrez dans vos conversations. Vous sélectionnez la personne que vous voulez causer avec. Et du coup, vous appuyez donc sur le i qui est en haut et vous descendez en bas. Vous appuyez aussi sur accéder aux conversations secrètes. Voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour causer une conversation secrète, il faut automatiquement que la personne avec dans votre interlocuteur, voilà, est aussi activé cette fonctionnalité sur son téléphone. Donc, du coup, vous appuyez accéder à la conversation secrète. Du coup, c'est juste là, vers la conversation secrète. Là, vous voyez, il y a une petite horloge. Voilà. Vous appuyez sur cette horloge et vous réglez donc la durée de la conversation. Donc, si vous voulez que la conversation, vos messages disparaîtront 5 secondes après avoir été lus, ou 10 secondes, ou 30 secondes, ou 1 minute, voilà. Et du coup, vous laissez par exemple 10 secondes. Donc ça, c'est cette astuce, c'est quand vous voulez vraiment causer en instantané avec une personne et que vous ne voulez pas que les messages reste définitif, donc du coup, et que la personne est disponible à dialoguer de façon instantanée avec vous, donc dès que la personne lit les messages disparaissent. Voilà. Et maintenant, vous sélectionnez donc et vous appuyez, vous restez là, vous écrivez donc salut à la personne. Et du coup, la discussion, elle apparaît chez la personne aussi codée comme ceci, dès que la personne lit la conversation, voilà, le message va aussitôt disparaître de votre côté, quoi. Du coup, on va répondre de l'autre côté et la personne aussi a paramétré, voilà, 10 secondes de votre côté. Donc, comme vous voyez là, le message, il arrive. Vous voyez, il y a un chronomètre qui est là et du coup, une fois que la personne va lire le message, vous avez lu le message disparaît, vous écrivez encore, donc c'est vice-versa. Comment tu vas? Voilà. Et du coup, c'est comme ça, vous voyez, les messages sont en train de disparaître dans votre conversation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Je poste des vidéos 3 fois par semaine. À la prochaine pour un nouveau tutoriel.